Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Nous sommes très honorés de vous recevoir ici dans le cadre de votre conférence. Et au nom de l'OSCE, je vous réitère les remerciements. Merci. J'ai une première question à vous poser au sujet des impacts justement du réchauffement climatique sur les enjeux géoéconomiques. Il y a une dizaine d'années de cela, la presse de vulgarisation, les articles de vulgarisation nous alertaient sur le fait que le réchauffement climatique allait très certainement créer de nouvelles routes au niveau de l'Arctique qui allaient être empruntées de manière assez massive par les entreprises exportatrices des différentes puissances commerciales. Le 8 août 2013, une entreprise chinoise de fret maritime, Cisco pour ne pas le nommer, a fait emprunter cette route par un de ses cargos qui a quitté le port de Dalian en Chine pour emprunter le détroit de Bering, a longé les côtes de Sibérie puis celle de Norvège et est arrivé à bon port à Rotterdam. Nous voyons là dans cet exemple qu'effectivement il y a un raccourcissement des délais, un raccourcissement de la distance, des gains certainement très intéressants pour les entreprises, qui ont aussi des conséquences sur les ports déjà existants, les voies maritimes déjà existantes, je pense notamment au canal de Suez. Pouvez-vous nous en dire plus sur les enjeux justement géopolitiques de ces nouvelles voies qui semblent apparaître au niveau planétaire dans cette zone qu'est l'Arctique ? Dans les 3-4 millions de kilomètres carrés qui étaient glacés chaque été et qui ne le sont plus maintenant, où on n'a encore jamais pêché, c'est trop loin, trop dangereux, même s'il n'y a plus de glace permanente, il y a des icebergs dangereux. On n'a encore jamais pêché, on va pêcher sûrement. Et donc mon sentiment, c'est que ça va s'ouvrir. Mais là aussi, pour le moment, les compagnies d'assurance n'assurent pas les pêcheurs quand ils prennent trop de risques, c'est-à-dire quand ils vont dans une zone où il n'y a plus de secours assuré au cas d'accident, où il n'y a pas de secours extérieur possible. Mais c'est encore bien plus vrai pour une route commerciale régulière. Entre l'Europe et la zone Chine, nord de la Chine, sud de la Russie, Japon, il y a pas loin de la moitié du commerce mondial. C'est évident que court-circuiter le canal de Suez, Panama surtout, ça fait gagner 35 à 40% de la longueur. C'est une évidence que ce sera une économie formidable. Près de 2 semaines en moyenne de trajet. Oui, c'est ça. C'est évident qu'on y va. Et maintenant, on commence à pouvoir le faire. Mais plusieurs remarques. La première, il y a 3 voies imaginables. L'une est le passage dit du nord-ouest, le premier qu'on a cherché. Mmh. Il est par le nord-Canada. En fait, il consiste à éviter le Groenland, passer entre le Groenland et les îles canadiennes, s'infiltrer dans le dédale de l'archipel des îles du Grand Nord canadien pour rejoindre le nord de l'Alaska et passer au détroit de Bering. Il y a tellement d'îles qu'il y a 12 ou 15 variantes possibles. Même si l'eau est libre parce que la glace l'été fond, il est toujours à craindre d'y rencontrer des flots d'icebergs rassemblés par le vent ou par les courants et qui bloquent. Et puis il y a des hauts fonds, il y a même des resserrements. Ce sont des zones de brume. Conjuguer la brume avec un bloc de glace, conjuguer le tout avec le fait que les cartes sont encore inexactes. Mmh. Je ne crois pas que le grandeur canadien soit l'avenir de la route polaire. La navigation est beaucoup moins hasardeuse et beaucoup moins difficile au nord de la Sibérie, où après tout, il suffit de contourner la Nouvelle-Zemble, c'est-à-dire aller très nord, ou même passer à son sud exact, on est un peu plus dans les terres, mais en gros, ça fait quand même des semaines entières de mer, sans obstacles et sans côte proche, sans danger. C'est le plus probable. Mais sur ces 7000 km-là, il n'y a pas un port, pas un secours, pas un avitaillement, et pas d'équipement pour le cas de lutter contre une marée noire, contre une difficulté. Mon sentiment, c'est que les infrastructures nécessaires pour ouvrir l'une ou l'autre de ces routes, on mettra longtemps à les faire. Pour le moment, personne ne les prépare, et il n'y a même pas de négociation ouverte sur le comment faire. Il y a encore moins de négociation ouverte sur le régime juridique international de ces eaux. En tout cas, le statut de l'eau de surface, où l'obligation de laisser passer fait partie du droit, mais où la sécurité, donc le droit d'empêcher de laisser passer sur un bateau suspect et national, ça compte ça. Ça, c'est pas réglé. Donc tout ça sont des empêchements à la suite. Et en tout cas, sur la propriété du sous-sol dans les eaux internationales, ne faisant pas encore partie des zones économiques exclusives étendues, on ne sait pas non plus. Et là aussi, il peut y avoir des conflits. Je ne les vois pas devenir guerriers, je les vois devenir commercialement terribles, jusqu'aux sanctions, rétro-sanctions, etc. Partie de poker diplomatico-stratégique importante. Bien, merci, monsieur le Premier ministre.